les responsables du centre pluriel de Zaroko, les responsables du ministère de la compassion des âmes, le guide spirituel de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Mesdames et messieurs, ce matin, j'ai l'honneur de vous présenter l'homme de Dieu sous vos acclamations, le prophète de la France. Sur la mort, il t'a donné la victoire sur les ténèbres, il t'a donné la victoire sur la maladie. Dis-lui merci ce matin. Pour la bouche, je lui remercie. Merci à toi, mon Dieu. Mais les plus beaux noms des hommes
ceux qui ont été sauvés. Soit qu'il dit à mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades, et ils seront guéris. Tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Tu vas dire merci au Seigneur. Merci parce qu'il est Emmanuel, Dieu est avec nous. Merci parce qu'il te délivre. Merci parce qu'il pourvoit tes besoins. Encore dis merci au Seigneur.
as dit, Seigneur, je quitte le trou de mon cœur. Je te cède la place. Viens, règne comme roi dans mon cœur. Sois le maître de ce cœur. Viens, je te cède mon cœur. Prions ensemble, Seigneur. Dans ta vie, parce que tu as fait entrer des personnes dans ta vie, et
ces personnes sont venues tout bouleverser. Il faut que Dieu hâte ces personnes. La même manière qu'Abraham s'est séparé de Lot. C'est quand Abraham s'est séparé de Lot, Dieu dit, regarde, je te donne ce territoire. Lot était comme un voile qui empêchait Abraham d'entrer dans sa bénédiction. Par contre, tu as besoin de rentrer pour que ta vie s'améliore. Ces personnes que Dieu les envoie. Et les personnes que tu dois rencontrer pour te faire rentrer dans la bénédiction. Même si Dieu donne une révélation, une prophétie, c'est des personnes que Dieu va utiliser pour te faire entrer dans ces bénédictions. Ces personnes qui sont plus utiles à ta vie, que Dieu les dégage de ta vie. Et que Dieu fasse entrer des personnes utiles pour t'amener dans ton canal. Adresse cette prière à Dieu ce matin. Oh Seigneur, adresse cette prière à Dieu ce matin. Adresse cette prière à Dieu ce matin. Thank you.
Samuel va dire Saül va dire à Samuel, c'est vrai, je te oins. Tu t'es venu à cause des ânesses. Dès que tu m'équipes maintenant, tu vas rencontrer des personnes sur près de sépulcre de Rachel qui t'indiqueront le chemin à suivre. Il y a des personnes qui viendront dans ta vie pour t'indiquer le chemin de Canaan. Il y a des personnes comme ça. Elles sont là que Dieu les envoie dans ta vie pour améliorer ta vie. Il faut que ta vie s'améliore. Mais c'est des hommes que Dieu va utiliser. Ces personnes sont là que Dieu les envoie dans ta vie pour améliorer ta vie. Prions ensemble, Seigneur.
montrer, tu vas présenter maintenant ton sujet à Dieu. Ce pourquoi tu es ici, tu vas le présenter à Dieu. Il dit, demandez, vous recevrez. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Et tu vas demander à Dieu de t'exaucer. Tu vas demander au Seigneur de te délivrer. Tu vas demander à Jésus de te délivrer, de te restaurer. Prie ensemble, prions ensemble, le Seigneur. Ouvre la bouche et parle. Oh, Jésus.